Salut internet, c'est Kamo, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant ça, je tenais vraiment impérativement à vous présenter Maxime. Vous vous rappelez de Giuseppe dans la dernière vidéo, je vous avais montré une pie que j'avais retrouvée. Cette pie là, je l'ai relâchée hier. Je savais pas ce qu'elle est devenue parce qu'elle est plus revenue. Maxime nous a contacté et qui a trouvé la pie qui était blessée. Et comme elle n'avait pas l'habitude d'être en liberté avec d'autres oiseaux, elle s'est fait attaquer de tous les côtés. À ce jour là, Giuseppe, j'ai quand même donné à manger, elle mange. Elle a bu un petit peu et là elle se repose parce qu'elle est vraiment fatiguée. Je remercie Maxime du fond du cœur qui est aujourd'hui avec moi. C'est pour ça d'ailleurs qu'il fait la vidéo aussi avec moi en début de, avant de commencer toute chose. Rajoutez-le sur Snapchat, je mets son Snap ici. Là ça va s'afficher juste en dessous. Rajoutez-le en masse juste pour lui dire merci parce que sans lui, Giuseppe aujourd'hui serait morte. Et ça c'est clair, net et précis. Merci en tout cas, je t'ai assuré. Franchement c'est un bon gars et rajoutez-le s'il vous plaît en masse sur Snapchat. Rien que pour lui dire merci. Salut internet, c'est Kamoff. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'ai reçu quelques messages d'une même personne se plaignant que des drones volaient au-dessus de son jardin et au-dessus de la résidence où il habitait. Comme il voyait le drone souvent voler au-dessus de chez eux, la police s'est rendue sur les lieux mais le drone n'était plus là. Du coup ils nous ont envoyé un message et on a décidé de se rendre sur place pour voir si on trouvait le drone. On a essayé de trouver la personne qui pilotait le drone. On a essayé de connaître ses intentions et vous verrez par vous-même que le monsieur n'était pas là juste pour s'amuser. On se retrouve à la fin pour une conclusion. Ciao. Voilà les gars, donc là on est arrivé sur les lieux. J'entends un drone, je sais pas si vous l'entendez à la caméra, ça m'étonnerait parce que je l'entends de loin. J'ai envoyé Valentin faire un tour. Donc on va faire un peu le tour du quartier, on va essayer de voir si on trouve le drone quelque part, si on le voit. Et si on le voit, on refilmera à ce moment-là. Valentin est parti faire un tour. Même lui, s'il voit quelque chose, il m'appelle. Et là, on va faire un tour. Donc, on filmera si vraiment on voit quelque chose. D'accord. En fait, il regarde les maisons. Oh, putain, je crois qu'il nous a vu, le mec. Je crois qu'il nous a vu. Il va se tailler. Vas-y, viens, monsieur, s'il te plaut. Essaye d'aller voir. Vas-y, vite. Il commence à pleuvoir. Il va le rentrer, le drone. Suis-le. Putain. J'espère que Valentin il va le retrouver. Il va loin le truc. Hein. Oh l'enculé, irretrouvable. Putain, je vois pas le drone, je vois pas l'appareil, tout ça me rend fou. Oh. Alors ? Attends, suis-moi, il est parti par là-bas. Tu l'as vu se poser ? Oui, je l'ai vu bien. Vas-y. J'habite juste dans le coin en fait. Et je viens de voir qu'il y a le drone qui passe au-dessus de chez moi. Et ça me plaît pas trop en fait. Je sais pas, je vois pas au-dessus des maisons moi. Mais si je t'ai vu voler au-dessus de moi, c'est que tu as volé au-dessus de moi. Ouais. Il y a des voisins, ils m'ont. Non, sérieux. Je confonds avec quelqu'un d'autre. Non, je confonds avec personne. Voilà. Le drone, ça va, je le reconnais. C'est moi ou quoi je vais. Les gens ils nous ont appelé aussi, les voisins ils se plaignent. Moi, c'est pas la première fois que je te vois. Je le vois et les voisins pareil. Donc... C'est quoi cette caméra là? C'est au cas où ça dégénère. Voilà. Dégénère de quoi? C'est jamais, quand ça dégénère, parce que moi à mon avis je te donne... Moi je veux pas être filmé moi. Tu seras flouté, c'est pas un problème. Toi tu veux pas être filmé, par contre tu passes au-dessus de chez les gens, tu filmes avec ton drone, mais tu veux pas être filmé. Moi je m'amuse tranquille. Et moi nous aussi on s'amuse, on filme. On fait ça, c'est notre loisir pareil. Sur internet, on filme. Voilà. Mais moi je filme pas chez les gens. Et si tu filmes chez les gens. Le problème c'est que tu es passé au-dessus de chez moi. Que les voisins... Mais t'es signé quoi là? Tu es un voleur que... Je sais pas, pourquoi tu parles de vol? Non, attends, pourquoi tu parles de vol? À quel moment je t'ai parlé de vol moi? Je sais pas, tu dis je regarde chez les gens avec le drone. Oui, alors, c'est pas parce que tu regardes que tu es un voleur. Ça, c'est un voyeur. Pas pareil, je voyeurisme. En général, les gens, c'est pour voler. Je sais pas. Enfin, je comprends pas. Je viens, tu nous as vu, je l'ai vu que tu nous as vu au drone, tu es vite parti. Le minot, il a couru pour te rattraper. Ouais, pourquoi tu te posais? T'as pas le temps de t'en bats les couilles, toi. C'est quoi? Non, attends. C'est quoi ça? Vas-y. T'as rien à te reprocher. Tu veux pas voler mes affaires? Non, je vais pas voler tes affaires, mais c'est juste qu'il y a un truc en fer qui dépasse, je veux savoir ce que c'est en fait. C'est quoi? Alors, soit j'appelle les flics maintenant. C'est mon matériel de maçon. Attends, fais voir s'il te plaît. Vas-y. Vas-y, non, attends, c'est quoi? Je touche pas à ton sac, ouvre-le. Regarde. Montre si t'as rien à te reprocher, montre. Ah, je veux pas que tu veux toi. Vas-y, casse-toi. Parle bien, mais ça va. Je veux pas qu'on filme mes affaires, qu'est-ce que t'as? Vas-y, on va filmer tes affaires comme toi tu filmes. Tu filmes chez les gens. Si. C'est quoi que tu as dans le sac? Il fait trop le malin lui. Mais les affaires de maçon, je te dis, marteau. Tu me comprends une con? Marteau. Affaire de maçon, frère? Affaire de maçon. Affaire de maçon? Ouais. Ça, c'est une affaire de maçon, ça? Ouais. Tu me prends pour une con? Ça aussi? Tu l'achètes tout ça? Tu achètes tout ça? Si tu n'as pas le droit. Alors, je t'explique. Une pied de biche, tu n'as pas le droit de l'avoir sur toi déjà. Si tu n'es pas en travail. Ça, c'est quoi? Une tournevis comme ça? Tu fais quoi? La maçonnerie, qu'est-ce que tu fais avec une tournevis? Je travaille, je retourne après sur le chantier. Ouais, je fouille. Il y a une pince. Qu'est-ce que tu fous avec ça? Allez, vas-y, explique-moi. Vas-y, parce que là c'est un peu trop gros maintenant. Alors, tu vas faire quoi? Je prends pour qui? Robin des Bois, je sais pas qui là, Superman Robin des Bois, je sais pas qui ou Superman. Robin des Bois. Vas-y, prends tes affaires, casse-toi avant que je t'arrache là. Tu vas faire quoi sinon? Vas-y, parce que. Je te demande vraiment ce que je vais faire. Tu veux que ça parte en couille vraiment?
Tu veux j'appelle les flics maintenant ou qu'est-ce que tu veux en fait? T'as fait une tête de contre mais moi. C'est même pas question de tête ou pas tête, je vais appeler les flics, ils vont venir te chercher maintenant. C'est bon? Tu veux qu'on les appelle? Tu veux qu'on fasse quoi? Pourquoi tu vas appeler les flics? Parce que je sais très bien ce que tu es en train de faire. Avec ça, c'est pas normal. Parce que je sais très bien ce que tu es en train de faire. Moi j'appelle les flics. Mais qu'est-ce que tu veux? Rien, tu vois. Tu vas rien faire, trop. Qu'est-ce que tu veux? Tu crois que tu vas. Arrête de filmer, je t'ai dit. Arrête toi. C'est quoi? Arrête. Ouais, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Voilà, le drone il est mort, y'a plus de drone. C'est bon, maintenant tu veux que je te fasse parier avec tes dents? Est-ce que tu veux que je fasse parier avec tes dents? Dis-moi le maintenant, vélo. Ah, ça va. Voilà, le drone est mort. Voilà. Allez. Ah, plus de drone. Maintenant, casse-toi, parce que sinon, soit je vais appeler les flics qui vont venir chercher, ou soit je vais t'aider les dents. Donc, casse-toi et ne viens plus ici, tu as compris? Parce que moi j'habite là et il y a des gens qui habitent là-bas aussi. C'est bon? Tiens, ça c'est pour moi aussi, je le garde. Le pied de biche, je le garde. Les outils, je les garde, parce qu'au moins c'est, tu feras rien à personne. Prends ton sac avec ton téléphone et casse-toi. Parce que sinon, je te jure, je vais t'aider les dents. Je vais t'aider les dents. Voilà. Viens, on va chercher le drone. Il y a une rivière en fait juste à côté et j'ai jeté le drone dans l'eau. C'est bien parti. Et les outils, pareil, les outils qui sont derrière toi là. Attention. Bon, plus de drone. Capoute. Aïe, aïe, aïe. J'ai mis les pieds dans l'eau, sa mère. Putain, j'ai les pieds trempés. Résultat du drone. Voilà. Plus de drone. Bah les couilles, frère. Il ira espionner sa mère, si vous son grand-père, s'il est encore vivant. Ah oui, c'est bon. Et regarde, je vais même te dire mieux internet. J'ai même gardé le pied de biche, le marteau et tout le truc là. On va les prendre et on va les jeter. Ou je vais les garder, tu sais quoi. Ils sont pas des outils à la maison. On va rentrer à la maison, on va faire une conclusion à la maison. Je vais pas aller au commissariat pour ce genre de type. Tout simplement parce que pour l'instant il n'a rien volé et qu'il n'y a pas eu de cambriolage dans le secteur, donc ça sert à rien. J'essaie juste de lui faire comprendre qu'il ne faut plus jamais recommencer en espérant que ça lui serve de leçon. Donc on se retrouve à la fin pour une conclusion et voilà. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais lancer un petit concours. J'ai quand même gardé le fameux drone, comme vous voyez il est cassé. La personne qui aura le plus de j'aime sur son commentaire dans la vidéo, je vous enverrai le drone chez vous par la poste. Mais celui qui a le plus de j'aime sur son commentaire, il gagne le drone cassé. Voilà, après il encadre, il fait ce qu'il en veut. D'ailleurs, voilà. Comme vous avez pu le voir, ben, la personne a été bien là pour justement faire des repérages, pour cambrioler les maisons ou faire je ne sais quoi. Et j'espère que ça lui servira de leçon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne retournera plus jamais dans le même endroit pour aller faire des repérages ou faire quoi que ce soit. Et j'espère même que ça lui a servi de leçon et qu'il ne recommencera plus jamais à faire ça. Voilà. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous rajouter sur Snapchat. C'est Camoff, C-A-M-O-F-F. Ça s'affiche juste en bas. On est bientôt 100 000 abonnés. C'est énorme. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. C'est juste... c'est là. Et à 100 000 abonnés, je vous sors une petite surprise, une vidéo surprise à laquelle vous y attendez pas. Pour vous remercier d'être là chaque mercredi à 18h comme d'habitude. Si notre marque vous plaît, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.futuratech.com. Pour ne pas dire, je ne vous l'ai pas dit. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et faites attention à vous parce que des cambrioleurs, des repérages, des drones, tout ça, il y en a beaucoup et des fois on n'y fait même pas attention alors qu'en fait les gens ils sont là pour faire des repérages. Voler avec un drone sans autorisation, c'est interdit par la loi et c'est même puni. Quand vous voyez un drone passer au-dessus de chez vous ou à côté ou à proximité, n'hésitez pas à appeler la police. C'était le message que je voulais faire passer à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous l'avez kiffé, à mettre un j'aime, à faire ce que vous voulez, même à mettre j'aime pas, j'en ai rien à foutre. C'était Camoff, je vous dis à mercredi prochain, 18h pour une toute nouvelle vidéo. En attendant, faites attention à vous. Bisous bisous. Bon les amis, on est mercredi aujourd'hui, avant de sortir la vidéo, je tenais à faire cette petite mise au point. Alors en fait, Josépi, quand je l'ai retrouvée, était vraiment pas bien. Et comme vous pouvez le constater, le message que j'ai mis, elle est décédée cette nuit à minuit 35 précisément. Elle est morte dans mes mains parce que elle avait été trop blessée et je savais pas, je m'en veux terriblement, parce que je savais pas qu'un oiseau... qu'on a depuis qu'il est bébé et tout ça, eh ben, il fallait pas lui donner sa liberté, il fallait pas la relâcher. Et moi j'ai juste ouvert la cage, elle s'est envolée de elle-même, donc je me suis dit, bon ben, vu qu'elle s'est envolée tout ça, elle est prête à voler, elle est prête à vivre sa vie quoi. Et en fin de compte, non, après j'ai lu sur internet que quand on est un bébé oiseau, peu importe
la race de l'oiseau, ben, il ne faut pas le relâcher si on l'a eu depuis qu'on est petit. Voilà. Donc, j'ai écouté les vétérinaires, j'ai écouté les gens qui m'ont dit « Oui, ben, il faut lui donner sa liberté, patati patata, un oiseau, c'est pas fait pour être en cage, patati et patata, il ne vous en sort pas. » Alors du coup, ben, je l'ai relâché. Le lendemain, je l'ai retrouvé dans la rue, vraiment abîmé. Je n'ai même pas mis les images pour ne pas vous choquer, pour vous dire à quel point c'était vraiment... pas beau, mais voilà, elle est morte à 1h35 cette nuit, et là je vais l'enterrer. Voilà, c'était, je tenais à vous informer parce que j'ai dit que je vous tiendrai au courant. Et voilà, donc là le bruit que vous entendez, c'est sa sœur, et il reste plus qu'elle. Voilà, donc je suis désolé et je m'en veux terriblement. Voilà, j'ai voilà, bon, bref, désolé.